Salut à tous les amis, Gianni à la manette, j'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un putain de gameplay. Mais sachez-le, c'est mon meilleur gameplay sur ce Call of Duty Ghost les gars. Franchement, rien que pour ça, je suis heureux de vous le présenter. Sachez-le, c'est pas de blocage de spawn, c'est pas de soutien. Vous allez voir, j'avais des alliés avec moi. Il faisait n'importe quoi, il rentrait avec moi dans le spawn, c'était bien dommage. C'est un plus de 120 kills non létal, 100 kills strict les gars. C'est la folie, mais regardez bien le gameplay, mais regardez-le bien, parce que vous allez voir du pur rush. Et si j'étais tellement chaud ce jour-là, je pense pas que j'aurais autant chaud un jour. Et une putain de connexion, ma bille, je mettais 2 balles, les gars. Franchement, un réel plaisir. Vous allez voir, on se croit en hardcore, mais on n'est pas en hardcore. Sachez-le, c'était des putains de plots. Pour la première fois sur Xbox One, c'est la première fois que je tombe sur un accueil de plots comme ça. Mais bon, voilà. Le gameplay, c'était à la cassette. Pour moi, une des meilleures armes de ce Call of Duty, quand même. Vraiment une bonne arme. Pour ceux qui ont une très mauvaise coupe, ben, ne la prenez pas. Mais pour ceux qui ont une bonne coupe, je vous la conseille vraiment. Mais bon, voilà, les gars. Je vais pas m'éterniser sur le gameplay, sur le sujet. J'ai un putain de sujet, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Gianni vous dit tout. Mais un Gianni vous dit tout sur quoi, les gars? Aujourd'hui, c'est un Gianni vous dit tout sur les folles soirées marseillaises. Sur les soirées, ma biche. Là, les billets, tout ce que tu veux, ça va être du lourd, c'est un putain de sujet. Je me disais, j'étais dans la cove avec mon petit Cézo, les gars, et je me disais, mon Cézo, franchement, j'ai pas d'idée de sujet. J'ai demandé dans les commentaires à mes abonnés, tu vois, des sujets, mais pas des sujets de cul, tu vois, des autres sujets, et j'ai pas eu tellement de sujets qui m'intéressaient dans les commentaires, tu vois. Et là, mon Cézo, il m'a dit, vas-y, mon Gianni. Fais-nous un sujet, Gianni vous dit tout sur les soirées marseillaises. Et là, je me suis tapé des barres, mais rien qu'en passant à ce que j'allais vous dire, les gars, ça va être énorme. Mais avant de vous parler de ce sujet, j'ai quelques mots à vous dire. Moi, pour moi, les gars, je pensais, avant de vous parler de ça, pour moi, YouTube est en train de mourir, les gars. Peut-être en janvier, quand il va avoir les nouvelles lois, ce que j'ai entendu, quand je vais mettre une vidéo, il va falloir une semaine pour que YouTube me l'accepte et tout. C'est pour ça. Je suis en train de faire un pote à moi qui est vraiment, je vais faire une grosse dédicace dans cette vidéo, à Taiko. Il est en train de me faire un site comme beaucoup de youtubeurs sont en train de faire. Et ça m'a donné une idée pourquoi ne pas être bloqué pour vous faire une moyenne de 2 vidéos par semaine. Parce que sachez-le, à partir de janvier et même la semaine prochaine, je vous ferai que 2 vidéos par semaine. Pourquoi? Parce que je vais repartir en déplacement à partir du 5 et je serai jamais chez moi. Je serai même pas si j'ai internet. C'est la chouma, ma biche, j'ai envie de pleurer tellement. Alors du coup, ma bichette, il faut vraiment que je prenne le temps de vous faire des vidéos parce que je n'ai pas envie de vous faire un commentaire à l'arrache, les gars. Un bon commentaire, pas travaillé, mais un bon commentaire du Gianni, tu vois. Et puis voilà, les gars, c'est pour ça que je pars en déplacement. Et cette fois, j'ai le temps de tout vous dire dans la vidéo parce que la vidéo dure 13 minutes. C'est vrai qu'avec mon équipe, on était 4. On a quand même eu le temps de gérer les pauses au maximum, même si vous allez voir, on a perdu la partie. Mais c'est quand même énorme, les gars, vous imaginez même pas, 121 kills. Je sais pas si c'est un world record pour moi, non, mais bon, je suis content d'avoir fait 121 kills. C'est mon plus gros score non létal, les gars. 100 kills streak, c'est tout à l'arme, tu vois, c'est du pur rush. Et vous allez voir, vers le milieu de la partie, j'ai vu que j'allais faire un putain de 100. Je commençais à stresser et à tirer mes balles à côté, j'aurais pu faire 130. Et si on était en blocage de spawn, j'aurais fait franchement, sans vous mentir, 150 kills. 150 kills tellement que c'était des noobies, ma bichette. Désolé pour ceux que j'ai cassé les oreilles. Sachez-le, vous aurez cette vidéo mardi. Et voilà, ça sera normalement le jour de l'an le soir. Alors je vous souhaite une bonne année à tous les bibiches. Je vous souhaite une bonne année. Surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de me dire ce que vous voulez, comme Gianni vous dit tout, parce que je vous prépare, dès que vous me disiez ça le mardi, le jeudi, je vous prépare 4-5 vidéos d'avance pour toutes les semaines prochaines. Je veux vraiment prendre le temps, tu vois, de vous faire ça. Voilà. Et entre parenthèses, j'hésite à vous faire des let's play, tu vois. Des let's play sur des nouveaux jeux, par exemple Watch Dogs qui va sortir, Titanfall très bientôt, que je l'attends plus que Ghost à sa sortie, tu vois. J'ai envie de vous faire un let's play par semaine, tu vois, le mercredi. Et le samedi, vous faire un Gianni vous dit tout, tu vois. Ça serait vraiment pas mal, ça serait énorme, tu vois. Ça serait un bon rythme pour ma chaîne et un bon rythme pour ma vie personnelle, tu vois. Voilà, les gars. Bon, maintenant, on va commencer le sujet. Gianni vous dit tout sur les soirées marseillaises, les gars. Tout d'abord, les soirées marseillaises, il y en a, ils les connaissent pas. Ben déjà parce que vous habitez à Paris, mais sachez, c'est un peu la même chose, les bibiches. C'est un peu la même chose, les soirées. Tu arrives en soirée, déjà à partir de moi, je peux dire à partir de 15 ans, les gars, vous pouvez commencer à sortir en soirée. Et nous, à côté de Marseille, je vais dire où c'est Arles. C'est un peu la boîte de nuit des cougars, ma bichette. La boîte de nuit des cougars, avec mon oncle, on appelle ça le parc à ferraille. Le parc à ferraille, il n'y a que des vieilles, c'est toutes des chaudasses, ma biche. Ça, c'est plutôt pour les jeunes de 25 ans qui ont envie de taper dans le 40 ans, tu vois. Dédicace à toutes mes vieillasses. Je vais partir un coup dans les commentaires. Mais bon, les gars. Après, il y a les soirées marseillaises normales, tu vois.
Mais il faut savoir tout d'abord dans les soirées marseillaises, mes bibiches, que si t'es pas accompagné de meuf, à Marseille, à Aix-en-Provence, moi c'est plutôt à Aix-en-Provence que je sors en boîte, tu vois, la Joya, tout, c'est des bonnes boîtes de nuit, tu vois, c'est classe, faut aussi, déjà, si tu vas en basket, ma biche, tu vas pas en survêtement, on n'est pas au quartier là, les gars, tu vas pas en survêtement là-bas, tu vas pas en survêtement, tu vas direct, petit mocassin, pas les babouches, petit mocassin, petite chemise, toi, la petite montre, le petit, et encore, c'est pas sûr qu'il te fasse rentrer. Des fois, tu fais, moi, chez moi, je fais trois quarts d'heure de route pour aller une bonne boîte de nuit, et des fois, on se fait refouler, t'es obligé de faire cinq boîtes de nuit jusqu'à que tu te fais refouler, et t'es obligé d'aller au parc à ferraille, ma bibiche. Ah, voilà, les gars. Ah, là, je suis au taquéré de vous faire ce commentaire, je suis vraiment content de vous parler sur les soirées marseillaises. Les soirées marseillaises, c'est franchement, les gars, faut pas savoir que c'est pas comme au quartier, ça part pas en couille. C'est vraiment bon, les bonnes soirées. Il y a les belles coquines, mais moi, sachez les gars, quand je danse, c'est soirée disco, les gars. Pop, tu vois, c'est soirée discothèque. Le Gianni, il est dans la place. Et voilà, les gars. Imagine le truc, franchement. Moi, quand j'y vais avec ma femme, déjà, ma femme, elle est jalouse. Si jamais il y a une femme qui s'approche de moi, elle pète un câble, ma biche. Elle pète un câble. Moi, tu vois, moi, je suis le genre de gars, tu vois. Il monte sur le podium, il fait tomber la chemise, tomber, tu vois. On s'en bat les couilles. Faut pas être constipé, les gars. C'est pas comme ça, tu vois, si un mec, il est timide, tu vois, il est sur son canapé, il se bourre la gueule, tu vois. Moi, au passage, ça m'est déjà arrivé. Je vous raconte une petite anecdote, comme à chaque fois en soirée, ou à chaque fois dans mes vidéos, je vous raconte une petite anecdote. Un jour, tu vois, j'étais un anniversaire, c'était une soirée, je vous parle de discothèque aussi, une soirée. On fêtait les anniversaires de 18 ans d'une amie à moi, tu vois. Et maintenant, c'est ma voisine, dédicace à toi, ma voisine. Et en fait, je me suis embrouillé avec toute la salle, tu vois, j'étais démonté, déchiré. C'est pour ça, des fois, c'est pas bien de boire. Si vous ne savez pas boire, les gars, si vous êtes méchant quand vous buvez, en fait, ne buvez pas, les gars, c'est important. Moi, au début, quand j'étais jeune, j'étais méchant quand j'ai bu, maintenant, ça va nickel, tu vois. Je peux boire une bouteille, ça va nickel, tu vois. Je marche droit, je pisse à la zèbre, tu vois. Voilà. Mais les gars, une fois, j'étais tellement sec. Je me suis dit, en plein hiver, moi je suis un fou, moi je rentre à pied moi chez moi, tu vois. Je suis rentré à pied ma biche. Et je vais te donner un conseil que franchement je te le donne et c'est un secret ça parce que ça arrive à plein de mecs, j'en suis sûr. Je suis parti à pied, en plein hiver, en t-shirt ma biche. J'ai fait 3 km à pied, je me suis perdu ma couille. Mais le problème c'est que j'avais les mains dans les poches, tu vois. Et je me suis embranché tout seul. Mes pieds se sont branchés dans le pied, tu vois. Je suis tombé tête première. Je me suis éclaté la tête contre le goudron, les gars. Je te promets, sans mentir, ma bichette. J'avais la tête en sang. Mais en sang. Et du coup, moi, déchiré comme ça, je suis resté au moins une demi-heure sur le sol. Je me suis même, de la puissance que j'ai tapé la tête sur le sol, je me suis déchiré le jean. Je me suis cassé la montre, tout, les gars. C'était le bordel, quoi. Et du coup, moi, tu vois, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Je suis rentré à la salle, tu vois, je suis revenu. Et tout le monde sont venus me voir, mais qu'est-ce que t'as fait? Et moi, tu sais, ma biche, tu vois, gros mytho à l'époque. Je me suis dit, Gianni, tu vas pas leur dire, tu t'es tombé, c'est la honte, tu vois. Tu vas pas dire, tu t'es cassé la gueule tout seul. Je me suis dit, ouais, il y a trois mecs qui sont passés, ils se sont engrainés avec moi. J'en ai défoncé deux, mais il y en a un, il m'a défoncé. Et je vous promets, il y avait ma soeur, il faudrait que je la mette dans le commentaire. Véridique, je leur avais dit ça, j'étais tellement sec. Après, j'avais vomi partout, les gars. Faut savoir qu'en soirée, c'est là où on fait les pires conneries. Faut faire attention, les gars. En soirée, moi, c'est là où j'ai commencé à fumer. Fumer la cigarette, je vous parle. Et franchement, aujourd'hui, je le regrette vraiment. À tous ceux que vous fumez pour faire comme tout le monde. Au début, c'est bien, ma biche, t'as pas mal. La cigarette, tu fumes comme tu veux. Nanani, tu arrêtes comme tu veux. Mais une fois, comme moi, les gars, ça fait 6 ans que je fume la cigarette. Maintenant, j'ai la tremblote. On dirait que j'ai Parkinson si je fume pas d'une heure et demie. Tu vois ce que je veux te dire? Même, je peux pas prendre l'avion. Que, par exemple, si on va à Miami avec ma Miami Beach, avec ma femme. Eh ben on peut pas ma bichette, pourquoi? Parce que laisse tomber 8 heures dans un avion sans fumer. C'est pour ça les gars, je vais faire le papa poule. Le papa poule. Ben, c'est pour ça que je vous dis les gars, je vous déconseille de fumer et de boire raisonnablement, tu vois. Tu bois pas deux verres à la fois, tu en bois que sec mais qu'un verre à la fois, pas deux ma bichette. Tu vois ce que je veux te dire? Et voilà, après les soirées marseillaises c'est comme les soirées parisiennes, tu vois. Il y a de la meuf. Il y a un peu des embrouilles, tu vois. Nous, souvent, quand les mecs sont beaucoup bu, tu vois, ça part souvent cool. C'est pour ça, moi, je vous conseille vraiment. C'est mon petit conseil personnel, après, à ne prendre ou à ne pas prendre. Moi, je vous conseille vraiment de sortir quand vous êtes célibataire. Après, une fois que t'as une femme, ma bichette, ne sors plus, ma bichette, ça sert à rien. Moi, je sors plus avec ma femme. Nous, on sort on se fait un petit séné, un petit resto, on rentre à la maison, on fait ce qu'on a à faire, tu vois ce que je veux te dire. Je vais pas t'inventer les choses, hein. Et on se couche. Parce qu'avant, quand on était jeune, on partait en discothèque, on s'arrêtait au bord d'une ville, on faisait l'amour dans la ville, ma bichette.
On rentrait des gars, on s'en foutait, on était jeunes à l'époque. Même, oh, les gars, je suis jeune, hein, mais je me prends presque pour un vieux dans la vidéo. Mais bon, les gars, on était des fous avant. Et maintenant, on a calmé. On se dit, oh, Gianni, tu as 24 ans, le crédit, le loyer, tu peux pas faire ce que tu veux. 150€ la bouteille, encore, ça dépend des endroits. Moi, j'habite à Bolène, j'ai des boîtes à Avignon à côté, c'est plutôt 180€, tu vois, la bouteille. Mais vers Aix, c'est 150. Et je pense, vers Paris, c'est plutôt vers les 200, non, les bichettes? Voilà. Bon, il y en a, ils vont pas comprendre parce qu'ils ont 13 ans sur la vidéo, mais franchement, vous allez comprendre. Et le jour où tu sors en boîte, ma bichette, tu dis, qu'est-ce que c'est la boîte de nuit? La musique au taquet, les gonzesses qui sont tous bourrées, qui sont toutes chaudes. Bon, il y en a, ils sont constipés. On dirait ils ont un bâton dans le cul, ma bichette. Mais bon, voilà, les gars. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la... Sur les boîtes de nuit marseillaises. J'espère que je n'ai rien oublié dans le commentaire, mais bon. Sachez-le, les gars, je vous ai prévu samedi une putain de vidéo de folie avec mon pote sur YouTube, les gars. Cézo, mon petit Cézo. On va se faire Gianni, il vous dit tout. Gianni et Cézo, ça sera un épisode exclu. C'est Gianni et Cézo vous dit tout sur le quartier, les gars. Le quartier. Moi, ça sera le quartier plutôt Marseille. Lui, ça sera le quartier plutôt Paris. Parce que lui, vous savez, il est du 9-3. Et moi, je suis du 13, les gars. Ça va être vraiment, tu vois, le nord et le sud, quoi. Mais bon, sachez-le, comme vous le savez, il y a beaucoup de Parisiens qui nous suivent. Mais bon, quand Marseille monte à Paris, il n'y a plus de Parisiens. Non, les gars, je déconne, mettez pas de dislike pour ça, les gars. Et puis voilà, les gars. On arrive bientôt au terme de la vidéo. Vous avez vu, les gars, cette vidéo, franchement, c'est du pur rush, les bibiches. Mais au taquet, je te jure, dans le commentaire. Les gars, je gueulais dans le micro à mes potes sur Skype. C'était la folie, je vous promets. C'était un truc de dingue, de strict, de la life, ma bichette. Putain, je suis au taquet, là, je suis content, voilà. Mais bon, sachez-le, j'ai plein de KEM, mais je n'ai pas envie de vous faire que du Call of, parce que moi, pour moi, Ghost a tué Call of Duty. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez même que je vous mette des vidéos, des Gianni vous dit tout sur des anciens Call of, et de vous faire des let's play sur des autres jeux. J'hésitais à vous faire sur un autre jeu que j'ai téléchargé sur la console, tu vois, c'est un jeu de zombies. Et franchement, il était pas mal, hein. Tu arrives avec la voiture, tu déchires tout le monde, ma bichette. Et puis voilà, les gars. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, les bichettes. Franchement, j'attends de vous, mais... Oh. Les gars, en ce moment, mes vidéos, elles marchent tellement, je suis tellement heureux. Mais j'espère vraiment, sur cet épisode, dépasser les 1000 likes, les gars. Je mets jamais dans la description 1000 likes, j'ai toujours fait 700 likes. Mais je vois que mes vidéos dépassent les 1000 likes, les gars. Alors, je vous en supplie, les bibiches, un maximum de partage. J'ai vu que mon record, mais grâce à vous, c'est vous, les gars, les acteurs de la chaîne, comme je vous ai dit. C'est vous. Eh ben, grâce à vous, j'ai des fois 30, 40 partages sur mes vidéos. Et c'est énorme pour moi, les gars. Quand je like quelqu'un, il prend 50 abonnés. Je vous en remercie, les gars. C'est pour ça que je vous demande un like. Un petit like, c'est rien, les gars. Un petit commentaire qui fait plaisir, les gars. Sachez-le, je lis tout, les bibis. Je lis tout et je vous kiffe, les mecs. Voilà, un petit like, un petit partage, un petit favori. Tu parles. N'oublie pas, sur YouTube, j'ai écouté un commentaire d'un grand YouTuber. Voilà, le meilleur qui marche sur YouTube, c'est le bouche à oreille. Et c'est grâce à vous, les gars. À la fin, je vais vous mettre le score. Surtout, ne quittez pas la vidéo. Je vous mets le score. Parce que vous pouvez appuyer sur Select et voir le score comme vous avez fait kill. Voilà. Je vous quitte tous, les gars. Pisse à la zèbre, pisse à l'arrêt, pisse où tu veux, pisse contre les murs, ma bichette. Pisse n'importe où, on s'en fout. Tant que tu pisses droit, ma bichette. Et surtout, comme je te dis à chaque fois, ne sois pas pédé et sois heureux, ma bichette. Et voilà, je te mets à la fin le petit score qui va bien. On va attendre une ou deux secondes parce que le commentaire, il vient comme ça. Je vais pas couper. Vous avez vu, c'est des catastrophes en face. 121 kills, les bibiches. 121 kills, du lourd, ma biche. À bientôt, les amis.